parti pris, sans aveuglement. Ah, mon ami, bonjour. Aujourd'hui, les paroissiens ont trouvé un corps à Notre-Dame. Les plaisantins l'appellent déjà le pénitent. J'en conclus que justice a été rendue. Pas encore. Siver avait un complice la nuit où Monsieur de la Serre a été assassiné. C'est lui qui a porté le coup fatal. Cela soulève des questions troublantes. Qu'as-tu appris? Il a agi avec un homme appelé le roi des Thunes. Le roi des mendiants? En es-tu sûr? Vous le connaissez? De nom. Les mendiants lui versent tribut. Mais cet homme est un fantôme. Nous avons envoyé 3 assassins à ses trousses. Les 2 premiers n'ont rien trouvé. Le 3e n'est jamais revenu. Je peux le trouver. Siver a parlé à l'un de ses lieutenants. Je dois à la mémoire de Monsieur de la Serre de découvrir la vérité. Peut-être en es-tu capable. Tu as fait tes preuves en tant qu'assassin aujourd'hui. Et un assassin doit être muni des bons outils. Donc, si je comprends bien, la lame secrète et les bombes fumigènes, c'était juste un avant-goût, c'est ça? La lame fantôme. Une modeste amélioration de la lame traditionnelle des assassins. Là où tu dois aller, tu devras rester à distance de tes ennemis. Très bien. Assassin, ce conseil t'ordonne de te rendre à la cour des miracles. Trouve le Templier qu'on nomme le roi des Thunes. Découvre ses secrets. Et apporte-lui la paix. Que se passe-t-il encore?
quoi chercher à impressionner. On n'aura pas pour tout le monde. Mais qu'est-ce qu'il fait donc? Les chiens à la seule chose.
Viens par ici, ça te drôle, hein. Le comte de Foufou. Je vous ai dit ça. Merci. Merci. Viens ici! Tu me demandes gentiment, je te ferai plus. Que diable peut-il se passer?
faux. Mais qu'y a-t-il? Quoi? Ah! Hé! Hey, c'est à moi! À l'aide! Quelqu'un! Au voleur! Garde! À l'aide! Il est mort! Un autre, ses enrages. Oh, mais à propos ton agitation. Dans les colonies il y a quelques années. Ça, c'était vraiment atroce. Garde une main sur ta bourse et tout ira bien. Le lieutenant du roi des Thunes. La touche. Oh, je ne m'y risquerai pas. Regarde. Je
splendide, non? Le bon peuple de Paris donne plus d'argent aux mendiants estropiés qu'à ceux encore intacts. Le roi des thunes trouve dans cette opportunité le moyen nécessaire à stimuler ses employés les moins prospères. Cet homme a déjà perdu son pied. Certes, tu peux charger dans le tas et causer un joli tumulte qui renverra tous ces rats dans leur trou. Ou tu peux te mêler à la meute et suivre les rats doucement jusqu'à leur souverain. Quoi que tu fasses, cet homme ne reverra pas son pied. C'est fait. Escortez-le à l'infirmerie pour cautériser la plaie, puis renvoyez-le dans la rue. Allez, toi, debout. Merci, j'apprécie le conseil. Pas encore. Qui êtes-vous, au juste? Et pourquoi m'aidez-vous? Cela fait quelque temps que je t'ai à l'œil, Arnaud. Je considère qu'il est de mon devoir d'aider ceux qui ont connu, tout comme moi, l'emprise cruelle de la Bastille. Et j'ai un intérêt bien personnel à voir le roi des rats, enfin, pris au piège. Quant à mon nom, j'ai le grand privilège d'être Donatien Alphonse François, marquis de Sade. Viens me rendre visite quand tu te seras lassé de chasser la vermine. Oh, quelle belle trace il laisse. Bonne chance. Plus froide. Ça t'inquiète pas? Je sais où sont les cheminées. Quelles cheminées? Celles que sa grâce a installées quand il a pris pouvoir sous terre. Si tu t'endors dessus, tu n'auras rien à craindre du froid. On ne traîne pas, les gars. Sa grâce n'apprécie pas les lambins. De prodiguer ses soins aux affligés. Ton jour viendra, Libertin. Plutôt que tu ne l'imagines, sois-en sûr.
Ça t'inquiète pas? Je sais où sont les cheminées. Quelles cheminées? Celles que Sagras a installées quand il a pris le pouvoir. On ne traite pas les gars! Sagras n'apprécie pas les lambins. Tu n'auras rien à craindre du froid. Ça t'inquiète pas? Je sais où sont les cheminées. Quelles cheminées? Celles que Sagras a installées. On ne traîne pas, les gars! Sagras n'apprécie pas les lambins. Rien à dire. Ses soins aux affligés. Ton jour viendra, libertin. Plutôt que tu ne l'imagines, sois-en sûr. Espèce de faux sans cervelle! Je me souviens de ces hurlements. Ils en finissaient plus. Tout ça parce qu'il s'était trompé dans les comptes. C'est vrai? Je pensais qu'il avait volé dans les...
Je sais où sont les cheminées. Quelles cheminées? Celles que sa grâce a installées quand il a... Ne traite pas, les gars! Sa grâce n'apprécie pas les lampes. Dessus, rien ne craint, tu vois. Ça t'inquiète pas? Je sais où sont les cheminées. C'est un peu fort. Quelle cheminée? Celle que sa grâce a installée. On ne traite pas, les gars! Sa grâce n'a fait pas les lambins. Si tu t'en vas dessus, tu n'as rien de grave. Les nuits se font plus froides. Quelque chose les agite. Mais quoi? Ça t'inquiète pas? Je sais où sont les cheminées. Quelle cheminée? Celle que sa grâce a installée. Sa grâce n'apprécie pas les lambins. Tu n'auras rien à craindre, tu crois. Monsieur Latouche, toujours en train de prodiguer ses soins aux affligés? Mon jour viendra, Libertin. Plutôt que tu ne l'imagines, sois-en sûr. Chez moi, et tu n'as pas le droit de faire ce que tu veux. Oh, oh.
c'est vrai ce qu'il a fait à Thierry ? Ah, je me souviens de ces hurlements. Ils n'en finissaient plus. Tout ça parce qu'il s'était trompé dans les comptes. C'est vrai ? Je pensais qu'il avait volé dans les caisses. Non, il a oublié un dans le registre. Je vois. Mieux vaut ne pas traîner, alors. Je sais où sont les cheminées. Quelles cheminées ? Celles que Sagras. On ne traîne pas, les gars ! Sagras n'apprécie pas les lambins. Si tu t'entends dessus, tu n'auras rien à craindre. Toujours en train de prodiguer ses soins aux affligés ? Ton jour viendra, Libertin. Plutôt que tu ne l'imagines, sois-en sûr. Un joli spécimen, celui-là. Où tu vas ? Te changer ? Après. Je te connais. Qu'est-ce qu'il a fait à Thierry ? Je me souviens de ces hurlements. Ils en finissaient plus. Tout ça parce qu'il s'était trompé dans les comptes. C'est vrai ? Je pensais qu'il avait volé dans les caisses. Non. Ne compte pas passer par ici. Bon sang ! Où es-tu ? Où ? Non, assez il cherché. A oublié un dans le registre. L'heure de boire. Je vois. Mieux vaut ne pas traîner, alors. Faites-le entrer, vite! Je sens que quelque chose ne va pas. Il est mort, monsieur. Alors jetez-le dans le caniveau et suivez-moi à l'intérieur.
Bienvenue dans ma boutique. Hein? Quelle est la consigne pour le malheureux d'Ulysses ? Brûlé dans un incendie qui a tué sa famille et lui a fait perdre la tête. Un incendie ? Tu sais à quel point je peine à les imiter sans faire brûler la moitié du quartier ? Utilise un peu d'huile de vitriol. Les gens ne feront pas la différence. Et je te laisserai la vie. Les catacombes ! Il est dans les catacombes, sous la vieille église ! La touche. Je m'attendais à ce que tu sois un peu plus coriace. Que penserait ton maître ? Mon Dieu, des... Huh?